Le papa de... De Dark. Ça, c'est Dark Raging. Ouais, merci beaucoup. Non, mais vraiment, vous me gâtez. Non, mais sans deck, quoi. Vous faites plaisir. Attendez un instant, le temps que... Ouais, putain! Ça fait néo, ouais! Non, mais sans deck, quoi. Désolé, go. Voilà. Allez, showtime. Oh, ça commence bien. Allez, va falloir être très subtil, hein. Va falloir être très subtil. Deux. A new warrior. Merci le cousin. Ah, je t'ai raté le lame. Deux HP le lame. Je voulais savoir bon, allez, comment on fait pour avoir le statut VIP. Bon après. Tu payes sur le forum. Tu vas sur le forum, tu prends le numéro de compte de Cric et tu verses 50 euros. Non, mais sérieux, sérieusement les gars, j'ai envie de savoir parce que j'ai pas le temps de. Sérieux, tu vas sur le forum de LGR et tu verras au-dessus à droite il est marqué faire un don. Et là tu payes via la carte bleue. D'accord. Et à ce moment-là, tu envoies la somme que tu as versée. Et ainsi que ton Steam ID et ton pseudo à Maître Panix. Panix. D'accord, très bien. Je voulais savoir le concernant le montant, on donne ce qu'on veut ou. Ah oui, tu donnes ce que tu veux, minimum 200 euros à un certain dame dame et après 2 euros par mois. Non, mais j'ai pas ce montant, je suis désolé, mais je veux bien aider, mais les gars. Ouais, mais moi j'ai mal. Ouais, c'est toi, c'est toi. C'est un rapport fleur. Oh là là, c'est voix quoi les mecs. C'est 2 euros par mois pour une VIP. Donc tu fais par mois quoi, comme tu veux. D'accord, d'accord. Et ça me donne quoi comme statut en fait? C'est-à-dire que je viens sur le serveur en priorité, j'ai quoi comme avantage? Oh non, c'est ça. Priorité. Alors comme ça, quand, si par exemple maintenant quand le serveur est complet, tu te branches et d'office quelqu'un qui n'est pas VIP sera écarté pour toi quoi. Ok, est-ce qu'il y en a un parmi vous sur le serveur qui l'a? Est-ce que c'est rentable, c'est bien ou pas? Un bel uniforme. Attends, c'est une broyée. Ah oui. Marine, est-ce que tu l'as par exemple toi? Un certain infâme Cric, là, lui, il est VIP là aussi, tu vois? Moi aussi. Attends, je vais en foutre Marine, tu peux me dire un petit peu, est-ce que t'as un avantage vraiment ou alors c'est un truc... les Américains, on peut prendre le pont là si on bouge un peu. C'est pas compris ce que tu as la question. Je voulais savoir, Marine. Déjà, t'es une fille ou un garçon? Parce que j'ai un peu des doutes. C'est un enfant. D'accord, non, mais je pouvais pas savoir. C'est un enfant, calme-toi. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire, par exemple, sur la fonction VIP? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, vraiment... C'est très très avantageux, sachant que ce serveur est souvent full. Donc voilà, t'as une priorité. Oui, j'ai la mère, j'ai la fille, j'ai le garçon, j'ai tout, j'ai toute la famille. D'accord. Laisse-moi tranquille. C'est là où je me rends compte qu'en fait d'autres sources c'est une vraie famille parce que je suis en train de parler, j'ai l'impression de parler à la maman, la petite fille, le petit garçon, le papa, le grand-père, le tonton. Non mais vraiment, non mais sérieux quoi. Non vraiment. Il y a plus de vieux que de jeunes. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, non mais j'ai remarqué qu'il y avait plus de vieux. J'ai rien entendu, moi. Ouais. Ouais. T'es qui? En fait, on est que 4 jeunes sur le serve. Non, mais la moyenne d'âge, on est d'accord que c'est 50 ans, non, à peu près. Délire. J'ai pas entendu qu'est-ce qu'il dit. Je disais que la moyenne d'âge. C'est délire. Non, il y a plus âgé, il y a. Pour toi, ça va être 10 euros par mois. Allez, on peut le prendre le pont là, lui. Non, mais c'est Célinette, par exemple, t'as quel âge sans vouloir t'offenser? Je te demande pas. Mais, les gars, si ça se trouve, elle est jeune, hein. Je pense que vous êtes tombé sur un dangereux. Qu'est-ce qu'il dit? Le brûler, celui-là. C'est qui peut enfoncer? Oh, les chaudards. C'est nouveau. Merci d'avoir dit que j'étais jeune, c'est gentil. Bah, ça, j'en doute pas, hein. T'as une voix en tout cas ravissante. Si je peux me permettre, voilà. Oh putain. Ce sera pas beau pour reprendre. Vous savez s'il y a des teams, il y a encore des wars sur ce jeu? Touche pas au poil.
Oh, ce rire. Y'a un qui peut tuer Krik, s'il vous plaît. Merci. Oh, ce rire de l'enfer. Laisse ça, XD. Un moment d'émotion, s'il vous plaît. J'étais muté ou pas encore? Regardez en bas à gauche, hein, les gars. Il y a un objet qui traînait à faction. Pourquoi tu n'aimes pas? Sans se voir, mais toi, tu n'as pas. Ah, j'ai la 2 mètres du machin. Ah ouais, non, mais c'est trop. Ah, la chanson d'Exbouille. Ah, ça y est, ils ont tous. C'est qui, du mandant? Moi non, parce qu'on aurait une femme de bouche. Non, mais la musique rétro nostalgie, j'aime bien, quoi. Elle est marrante. C'est délire. Et Titi, tu veux la MG? Oh, toi non plus, tu n'as pas changé. Non, t'es côté américain, quoi. Jimka, tu as déjà fini en saucisse grillée? Non, pourquoi? Mais par contre, les merguez, j'adore ça. Je les aime quand elles sont bien tu piquantes. Passer, si tu veux. Si tu veux ce que je veux. Non, il donne pas l'âge. Sur Dodd, non, je comprends pas ce que t'es en train de dire là. Attends, tu vas comprendre tout de suite, Jimka. Voilà, okay. Il a cramé le mauvais. Enfin, tu vas le faire sur un mort aussi, c'est ça. Je comprends pas là, j'ai les flammes au cul là. Mais non, est-ce que c'était qu'une saucisse brûlée? Mais là, je perds. Léa, attends, par contre, c'est pas drôle, je perds de la vie là. C'est pas drôle. Ça sent le graillon. Faire un TK. Ça sent le graillon. T'aurais pas un petit côté cochon, toi? Parce que vu comment ça sent le graillon, ouais, c'est vrai. Hein. Les gars, c'est pas drôle, sérieux. J'ai pas d'HP maintenant pour continuer le round. Non, tu reviens, tu meurs, tu reviens, t'inquiète. En tout cas, ici, c'est l'ambiance à l'effandard, les gars. Je retrouve vraiment un bel état d'esprit envers tout le monde. C'est cool. Allez, pas d'ailleurs. X-Files, je te suis, X-Files. Les garçons, descend. Non, je fais pas de sens ici. Je sais pas si c'est une bonne idée, en fait. Ah non, on l'a connu. Non, tu ne peux pas interdire. Et si. Si, crie. Si, c'est trop gentil. Moi, je vais pleurer. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent allemand, quoi? Pour rendre un peu la chose un peu réaliste. Ya, marche, marche. Y'a un gros pire. It's been a mine camp. Mine camp. I find I9. Ah, non. Non, par contre, non. Mais ça veut dire mon combat. Je mène un combat envers l'ennemi. J'ai le droit de le dire, ça, non? Non, pas ici. Nine. Comment tu connais mine camp, toi, voilà. Petit? On te l'a offert à Noël, le petit bouquin? Ferme-la. Pardon? Ouais, écoute, tu te calmes tout de suite, ça va pas le faire autrement, d'accord? Ok, c'est bon, c'est l'humour, hein, les gars, tranquille, descendez. Hein. Non, c'est pas l'humour. Oui, mais sauf que... Toi, tu prends un ban. Hop, désolé, j'en ai banni un mec sur le chat, il a été un peu en exceptif. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Ça va faire mal, Dudu. J'arrive, Dudu. Ah, bah tiens, je vais jouer l'allemand. Je vais jouer un allemand, les gars. Ah, si tu veux, ouais. Ça rappellera des souvenirs à mon grand-père, quoi. Le mec de 12 ans, il devient lourd. Ah. Il devient lourd. Merci, Another One. Je sais pas qui c'est. Donc, merci à Fred CV pour les 10 mois. Et merci à Vink. Attends, je vais prendre l'aspiration, les gars. Venez, on attaque sur le flanc gauche. Ah bah. On va attaquer, je pense. Peut-être pas sur le flanc gauche. Je l'ai pris en frontal, celle-là. Putain, mais c'est chiant! Oh là 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 là. Je vais rien attaquer du tout là. Je me suis fait... Ah, j'ai pris le mur de l'Atlantique, là. Enfin, sans frontal. Ah, je l'ai pris de front. Bon. Ah, ça va. Ah, ils sont... Attends, je vais voir s'il y en a peut-être un dernier. Ah, pas mérité. J'ai déjà fait des démarrages.